Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas dans les analyses objectives. Awa toujours na katia masolo ya chronique d'Inet TV. To tu kota la trois concerts ya Fally Ipupa, trois arenas dans l'espace ya soki deux semaines. Il a raflé trois stades ya minene minene na Europe. Le nombre de billets vendus par Fally Ipupa s'élève total ya ba trois arenas. Le nombre de billets vendus s'élève à 67 000 billets. 67 000 billets vendus en Europe, dans l'espace, il y a deux semaines. Parce que, concert à Liboso, c'était You Arena le 25 novembre. Jusqu'au mois de 16 décembre. Donc, c'est trois semaines, je dirais, pour être vrai. C'est trois semaines. Il s'est tapé 67 000 billets. Maintenant, les billets avaient les prix différents. En tout cas, un instant. Commentez si vous avez des commentaires. Invitez les insultes, s'il vous plaît. Commentez si vous avez des points de vie à augmenter. Indiquez-moi également dans le boîte de commentaires. Si vous aimez le contenu, partagez la vidéo. Partagez, commentez, mettez les j'aime, tapotez, mettez les j'aime pour me donner coup de la force également dans les vidéos de motivation d'aujourd'hui. Alors, comme je parle des billets de Fally Ipupa, les billets, il y avait les billets de 47 euros qui allaient jusqu'à 100 euros. Alors, si je fais la moyenne, ça c'est selon moi, maintenant, moyenne. Si je fais la moyenne de 50 euros, et si vous multipliez, 67 000 billets par 50 euros qui fait la moyenne, vous allez au prix de 3 millions 350 000 euros. Je répète, 3 millions 350 000 euros. Si je fais les calculs ici, c'est ce qui m'a donné. Je suis venu avec ça. Si les billets vendus par Fally Ipupa étaient au nombre de 67 000 et qu'il a fait la moyenne des prix d'entrée à 50 euros, donc Fally a fait un marge de 3 350 000 euros entrés. Je ne vais pas parler de comment il va partager l'argent. Je parle des nombres de billets vendus avec les moyens de prix par personne. Donc, Fally, dans tout ce temps-là, il a fait 3 350 000 dollars, euros. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Un monsieur qui n'est jamais arrivé en Europe jusqu'à l'âge de plus de 25 ans. Un homme qui a compris le système de jeu, comment on fait le marketing, comment on fait le business. Malgré les insultes, un monsieur de Bandal, passé par le quartier latin, Koffi Olomide, qui lui a donné la lumière, le papa de Keina Ipupa et Kelia Ipupa, le mari de Nicky Menga Barcelone, nous a fait un concert, trois concerts successifs dans trois semaines avec un montant de 3 350 000 euros. Ça, c'est un Congolais né et grandi dans la capitale congolaise en Afrique. Il a également osé aller affronter les Anglais sur leur propre terre, dans une salle de 12 000 personnes. Mais il a fait quand même la preuve de plus de 11 000 personnes qui sont entrées. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Combien de personnes sont passées par là? Il devient le troisième, je pense, troisième musicien congolais à jouer dans les OVO Arena. Il y avait notre maman Abeti Masikini, paix à son âme. Il y a, je pense qu'elle est Kanda Bongoman, j'ai oublié le nom de la personne, la deuxième personne. Il y a également aujourd'hui notre frère qui fait la fierté de la musique congolaise, Fally Ipupa Timba, le fils de Koffi Olomide. Ça, c'est quelque chose à applaudir, quelque chose vraiment à être fier. Puisque ce n'est pas donné à n'importe qui. Combien de musiciens de la génération de Fally Ipupa sont là? On sait que Koffi Olomide a déjà joué en Angleterre. Wanderson a joué en Angleterre.
Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, il n'y a personne. Il fallait pour pas aille également attaquer, puisque Kofi Olomide, Werrason sont partis également en Angleterre pour attaquer aucun de Kozua, aucun de Meka. Force, il y a musique, il y a biso, il y a ba Congolais, il y a monde anglophone. Ce qui était une réussite. Mais à la génération à l'élo, on voit aussi Fally Ipupa, qui ne se laisse pas, qui ne baisse pas les bras, qui veut toujours que notre musique puisse aller en avant. Il a fait ce qu'il a fait, tout le monde sale. Oh, donc ils appellent sale à n'importe quelle saleté. Ils sont locaux. Nous avons une histoire historique à OVO Arena. Une salle qui a été construite aux années 30 là-bas. Une salle vraiment, ils ont symbolisé culture, il y a anglais. Parce que ce qu'ils ont depuis 1930, des places de musiciens, à Bangope, donc c'est salle emblématique, il y a culture anglaise. Mais Bango, donc, Moutouloko l'a fallu, a zippé aux danses, a publié le Koloba. Bah, place, il y a une symbolique, il y a culture, nabino, nazo kende kubeta ango. Tout le monde a les jeunes leaders Inosbi, n'anglais, na États-Unis, a kende na salle peu emblématique, et moko bon à New York, wana, kombo na ngwe kimingawa. Et zana, moutouloko a beti, bah, tchaka kombo na bango, Kendrick Lamar, ba Beta Kuna, ba Snoop Dogg, ba Puff Daddy, ba Mary J. Blige, bango tu ba Beta na sale wana, ezaki sale liboso oyo inosubia kinegi pe ko Beta. C'est ça, bato baza ko kende ko teka musique na biso na ba pays anglophone, il ne faut pas komona bango ka bimona mona. Il faut ko applaudir ba G.O. baza ko sala. Les deux musiciens au Bakaye États-Unis, bazako beta pe na ba salle ya spectacle. Ezana ba musiciens bele bazo ke ne pe kuna bazo beta na ba salle normale, ba salle ya fête, bazay bele. Fabregas in azala ka mutu ya so monté a beta ki musique. Azo bo ya te ke za ezaki pa ba salle de fête. Ba beta la pe musique za salle ya spectacle mabe ezate. Fait go la pe a beti na ba salle ya spectacle. Mais les deux musiciens au ba beti na ba salle il y a spectacle, ils ont fallu pour pas na inosbi. Des Congolais va bêti na États-Unis na basale pena ya spectacle, basale ya ba concert. Ils ont inosbi a bêta na sale ou na outi koloba na fallu bêti na basale ya spectacle. À part ça, bande ko na biso pe bazo bêta na États-Unis mais na basale ya fait ming donc on a sens ya koloba ke ils ont purement Congolais. Alors, mutuloko la fallu pour pas oser. Jeune leader Inosbina, tant naye o azo sala na musique, a osé kobeta la Madeleine. La génération naye pe, il est le guide. Aza ko sala makambo ba ta génération na nanu basalité. Alors nga po na za ko komema makambo ya ba prix oyo fali abeti, abeteli na nombre ya mbongo oyo ya kangisi. Mes chers amis, ce n'est pas donné à n'importe qui. Total la nombre sika ya ba vente ya ba billet ya faire gola na États-Unis, nombre ya billet to zwango na kupesa ngo na na semaine prochaine soki na zui ba chance ya kutala ba nombre wana totali ba nombre ya ba billet ya faire gola nombre ya batu bakoti na prix to comparer parce que pe abeti ba concert kuna. Vous allez voir que Fally vraiment, il défend la musique congolaise na ndenge ya mabete, génération na bangoana na koki kolobake. En tout cas, il travaille bien, il fait mieux son travail par rapport à d'autres. La prochaine personne o aza ko bangisa na génération oyo eza Ericho Watanabe. À peine sorti kaka na ba deux albums Ericho Watanabe tozomona aza ko bundisa soki azui opportunité. Un jour la kobeta première fois qu'on a na poto ceux qui abeti na basali lokola Olympia c'est fini parce que héritier pour ne pas être ingrat faut koloba héritier abeta qui na Allemagne abeti na Turquie abeti na Grèce na basali ya spectacle les basali ya ba fétité tout money exploit au héritier zala qui nango kuna faso ba yambaki musique na ye on voit que c'est bon ça va bien mais ce ba oyu. Donc, bah, on a une tendance, il y a aussi la comparaison entre Fally Ipupa na Ferry. Fally Ipupa na Ferry.
Fali poupa na feri. Totala to loba. Communication oyo fali azako mema. Na musique lilo. Communication oyo azako mema. To loba. Nazana tozana période ya... Yaba nini ya Noël yango bozomona na Père Noël skana ninge ya pembe musique oyo fali pou paza komema ba nini ba défi oyo atie na musique pour la génération na ye je pense que ninge ko fiolo media za ko loba suivez les guides malgré papa oyo bazala ki wana mais a resisa ki kozwa ki bokonzi wana na bato ba sala producteur ya nini ya wake up ye moko alobaki Koffi azwa ki mbongo ebele par rapport a papa emba bienge papa emba yebani me Koffi azalaki na aura musique na ye ba sorti na ye makambo ebele Koffi azalaki na aura koleka papa wema lelope toki ko ignorete ke fere azako sala musique ba héritier bazali ba Fabregas bazako ko se poumoner pona ko mais ma pe drapeau ya Congo Libana na ndenge ya bien mais toujours zaka na mutu o ya za mwa liboso par rapport na bango na muninga batu nyoso bazalaka na niveau moko te zaka toujours na moko o ya yebani par rapport na baninga na classe toki kozala tous ba bon moko kozala tamsu kati akozwa 80.6 mosu 80.2 donc a 80.6 wana pour ça aza déjà le premier de la classe na menicho toza kolobela makambo ya mbatu o baza kosala fierté ya musique ya Congo na ndenge ya kusakana te oba oba za ko oze bakoza bazaye belete lelo to moni eza après Fali Ipupa la deuxième personnalité o atie libaya directement na basale mythique eza Fabregas métis noir na ndenge ya mabete yango ne to moni na réseaux sociaux alors bandeko nanga o ya ko se planer émission encore une fois bo partager bo commenter parce que ba vérité il faut ko loba yango. Il faut que vous la ignorant. Il faut que vous la soit idiot pour na ko ignorer ba exploit oyo ba misu bazako sala. Tola la tola muka. Le père de Keina Ipupa et Kelia, le mari légitime de Nicky Menga. Azo sala makambo ya bien. Azako sala makambo ya bien na ba na makambo na biso ya musique. Umoni ndenge ya fandi si ba kombata kimia. A réussir ko boma combat batu bazako loba azako yazo bangate un homme qui a l'esprit d'être un homme ya ko ndima ko affronter ba difficulté eza fali ona zoloba na zoloba ba vérité nazako loba bozo émission boya ko ke ko développer ango e osala bino bien Gilmas.